Je pense. Dans un instant, notre dernière ligue sans pognon de l'année. Et bah oui, c'est déjà. Après, ça sera en février. Ah. Et vous verrez que l'UEFA nous a expliqué aussi tous les critères. Il y avait 6 critères pour départager. Ils sont allés jusqu'au 5e critère. 7e. Pour départager. 7e. Ah ouais. Il faut faire le sketch du coup. Ah non, il m'a dit 5e. Il m'a dit 5e à la cantine. Et en cas d'égalité, confrontation directe. Différence. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On va aller arrêter là. Allez, on s'en fout. Ça sera le tour des terrains. C'est parti. Premier degré là. Et on commence par la belle passe en retrait qui a. Voilà. Hop là, bien pourri du défenseur. Oh oui, là, c'est, gardien, c'est le gardien. Oui, d'accord, c'est le gardien, ok. Pardon, mais il a quand même les talons. Ouais, ok, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Par contre, là, ouais, ce gardien a pris beaucoup de plaisir. Ouais, non, qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est l'adducteur, voilà, merci. Le PSG s'est imposé hier soir et ça a chambré dans le COP. Là, ils ont montré le trophée de la Ligue Europa, évidemment. Vous l'avez peut-être vu, ce but magnifique en futsal qui a fait le tour du monde. Superbe. Quelle dinguerie. Incroyable, ça. Damn. Ouais, j'en ai mis un comme ça, Joe of Five. Incroyable. En Ligue des Champions de basket, on est tombé sur le joueur qui a une drôle de façon de tirer ses lancers francs. Regardez. Ouais, même ses supporters, ils charrient. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, Jean-Michel Apathy. Et alors, ça, c'est quand même extraordinaire. Oui, bah, ça marche. Ouais, ça marche. Sûr, ouais. C'était comme ça. La télé américaine, on est tombé sur un Shaquille O'Neal en détente totale. Quelle star. Il fait du 62, ah, c'est possible. Ah, ouais. Oui, ça c'est les séquelles. Et du sport à haut niveau, ça donne ça. Et puis enfin, la golfeuse qui a vraiment tout donné. Et voilà, superbe. Alors hier, le PSG a battu la Juventus de Turin qui dit Ligue des Champions dit. Grande soirée. Ouais, je sais, c'était un peu sur la chaîne L'Équipe. Et qui dit grande soirée dit malédiction de Mesaoud Ben Terki. Yes. Sauf qu'hier, c'était pas Mesaoud. Donc la malédiction, c'est quand il y a un but pendant la pub. Mais hier, c'était Benoît Cossé. Ah, il n'y a pas alors. Ça va? Bah non, il n'y a pas. Je sais pas en fait. Ouais. Bon, allez, on va en profiter pour faire une petite pause. On va attendre que ça se mette dans le rythme, hein, parce que pour l'instant, c'est plutôt mou pour les Parisiens. Alors, Mesaoud a-t-il contaminé Benoît Cossé? Retour pub. Tout de suite, la cabine, Candice Roland, Yoann Rioux, qu'avons-nous raté? Eh bien, le but de Kylian Mbappé. La malédiction, Mesaoud Ben Terki. Et voilà, c'est maintenant sur Benoît Cossé. Benoît Cossé qui va faire toutes les grandes soirées de la Coupe du Monde. Ah bah, donc, voilà. But pour la pub. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, non, j'ai un texto, juste je réponds. Ouais, chouchou, je prends le pain pour ce soir. Oh, il faut pas passer ses appels perso pendant les heures de travail, on est d'accord? Non, excusez-moi, je suis désolé. Non, mais alors faudra aussi le dire à Giovanni Castaldi, alors d'accord. Avant. Ouais. Bah écoute, là mon cœur, je t'avoue, je m'en occupe. Après, j'ai un peu d'ouverture et après j'ai du temps. Et t'as pu voir l'histoire de la fibre? Bah alors, dis à la dame, je m'en occuperai vendredi, puisque s'il y a un bug ou quoi que ce soit, qu'on n'y retourne pas pour rien, dis-lui que moi j'irai vendredi. Ah oui, le bureau, oui. Les banquettes et la table, non, mais le bureau, oui. Ah non, mais moi j'en veux pas, puis en plus j'ai acheté un nouveau bureau, donc. Ah voilà. Non, mais c'est bien d'envoyer Giovanni à Turin, parce que ça bosse. Vous attendiez la compo et lui était là, ouais. Donc la fibre, c'est bon, nouveau bureau, règle, le compteur Linky. À qui? Moi je veux savoir. Ah, ça compte. Karine. Karine Galli, évidemment. On aura compris, je n'osais pas le dire, je ne sais pas si c'est officiel. Et ben voilà, Greg l'a fait, c'est bien, comme ça c'est tout le monde le sait, ils assument très bien. C'est un problème sur les réseaux. Enfin, oui. En tout cas, hier, Paris et Benfica ont été départagés grâce au 7e, je crois, critère. Oui, incroyable, 7e. Donc. Ben non, ok. Arrêtez votre sketch tous les deux. Et il n'y a pas que ça. Alors, on a vu un gars de l'UEFA nous expliquer d'autres critères. Parce que si on va plus loin, il y en a qu'on n'aurait pas imaginé. Ça va assez loin, leur délire. Hein. Alors, évidemment, à l'UEFA, on a tout prévu en cas d'égalité de points entre deux équipes. Donc, critère numéro 2, c'est la confrontation directe. Critère numéro 3, la différence de but. Évidemment, très importante. Critère numéro 4, la meilleure attaque. Voilà. Critère numéro 5, meilleure attaque à l'extérieur. Critère numéro 6, le fair play. Donc là, c'est le plus de cartons qu'a reçu une équipe pendant la phase de poule, quoi. Voilà. Si malgré ça, ça suffit pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, il y a un autre arsenal qui n'a jamais été utilisé, mais je peux vous le présenter. On a le chou-fleur entre les entraîneurs. Alors là, on appelle les deux entraîneurs. Venez, messieurs, chou-fleur, allez, chou-fleur, chou. Il faut faire attention, parce que par exemple, Galtier, il chose du 46, donc il a un avantage, vous voyez. Critère numéro 22, les moustachus. On compte les moustachus dans l'équipe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moustachus, vous allez en 8e. Voilà, et pas les boucs, hein. Moustache. Critère numéro 36, l'expulsion nasale. Donc ça, c'est les joueurs adorent faire ça. Ils expulsent, voilà, la mort. Celui qui expulse le plus loin. Critère 62, l'addiction. L'abeille coule. On prend les deux capitaines. Allez-y. L'abeille coule, l'abeille coule, l'abeille coule, l'abeille coule, la belle couille. Ah, la belle couille.
belle couille. Vous êtes éliminé. Bravo, vous allez en 8ème. Et le critère 99, alors là, celui-là, je l'adore, c'est Koh-Lanta. On fait venir Denis Brognard au milieu du terrain. Épreuve des poteaux, le dernier qui tient a gagné. Voilà, ça c'est très fort. Il n'y a pas de 100ème critère ? Alors le critère 100, là ça déconne pas, c'est sous la douche, voilà. Et là je peux vous dire que ça ment pas, hein. Tac, 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 oh ! Allez hop, vous allez en 8ème. Ouais, le 100ème. Ouais, non, le 99ème. Koh-Lanta, ça serait sympa. C'est l'heure de la DER. La DER des DER, la DER des DER de cette année, voilà, jusqu'en 2023. Oui, bah, civil quoi. Oui, voilà. Civil, voilà, c'est la dernière. Ligue sans pognon, on y va. Et les supporters sont chauds pour cette dernière journée de phase de play. Ouais, ouais, ouais. Ça va. Bah oui, les fumiers étaient de sortie, évidemment. Est-ce que ça part pas? On dirait vous, Greg, un peu, non? Non. Ouais, petite saucisse avant le match. Tranquille, vous, PPR dans le vestiaire. Ouais, bien sûr. Allez, hop. On se fait plaisir. Et quand on sort du vestiaire, qu'est-ce qu'on fait? On s'échauffe, bien sûr. Un peu chelou, son échauffement. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. La Ligue sans pognon, c'est aussi le seul championnat au monde où l'on peut croiser un arbitre qui n'a pas trouvé quelqu'un pour garder son chien. Du coup, bah, je suis un peu en galère, mais je suis là, hein, j'assure, vous inquiétez pas. Vous verrez aussi le gars qui est sorti du boulot et qui n'a pas eu le temps de se changer. Désolé les mecs. Non, bah, je joue quand même, mais j'ai pas eu le temps de mettre le short. Hein. T'es sérieux? Je passe au vestiaire à la mi-temps, promis. Oh là là, il est en bottes. Il a les bottes. Contre, ouais, c'est bon, allez, il va se changer. Mais ouais, venez comme vous êtes. Techniquement, on a eu du lourd cette semaine avec un petit centre. Oh. Ah non, pardon. Ouais, ça arrive. Ouais. Et un super contrôle, regardez, enseigné dans les écoles. Contrôle. Ah non. Ah ouais, ça nous arrive. Et contrôle popotin, regardez, hop là, par le gardien. Ouais. Et un pénalty avec un ballon qui a fini. Ouais. Alors là, je crois que. Ouais. Et un dégagement qui s'est transformé, regardez bien. Poum. Ah, il est bon. Non. Vite. Oh, incroyable. Non. Et ouais. Et ce qu'on aime, c'est la troisième mi-temps. Oh, allez, ça pète des bouteilles. Retour de la Ligue sans pognon en février, évidemment. Ça y est, c'est l'heure du top titre de la semaine. Ah. On a eu du beau jeu de mots et c'est musical cette semaine. C'est la première fois un top titre musical, entièrement musical. Taille, eh oui, un ennui de taille. Alors, le numéro 5, il faut connaître le groupe, mais je crois que c'est pour ça que l'équipe l'a fait. Massive Attack, Massive Attack. Oui, oui, très bien. Massive Attack. Il y a Béric qui ne connaissait pas, voilà. Oh. Numéro 4, quand Théodore Klein, jeune papa, va participer au championnat du monde de trail, ça donne... Oté, papa Oté. Parce qu'il va monter haut dans la montagne, papa Oté. Numéro 3, pour les fans de MC Solar, c'était un très beau Solaire Fleur hier. Bravo Loïc. Et Hugo Delon aussi, surtout. Bravo, bravo. Alors là, super. Numéro 2, c'est la dépêche, c'est un hommage au Coron. Non, c'est les Télédorons. C'était les Télédorons. Moi, je préférais celui de Loïc et d'Hugo. C'est vrai, et numéro 1, il est très beau, regardez. Elle va. Salama Bla Salama. Évidemment, évidemment, Salama Bla Salama. Je parle avec un ami. Les mecs cherchent, moi, dans le top titre, je suis sûr. Évidemment, évidemment. Je rappelle que c'est Sofou qui a le trophée la saison dernière. Qui le gagnera cette saison? Réponse en juin, fin juin. En tout cas, on se quitte avec le joueur qui ne ramènera pas la coupe à la maison. Ah, il était à ça. C'est horrible. Allez, la coupe à la maison. Allez, la... Oui. Oh, non. C'est terrible. Merci, Pierre-Antoine, pour la